Il nous reste quelques missions à accomplir. Pixel aussi n'a pas travaillé aujourd'hui? Eh bah dis donc. Comment ça t'as pas travaillé? Attends, t'as quand même travaillé ce matin. T'as pas travaillé cet après-midi, mais t'as quand même travaillé ce matin, toi. Lui, il a même pas travaillé de la journée. Oh putain de merde! Accélère! Oh putain, c'est... Ok, j'avais oublié que j'avais mis une bombe de proximité. Cette bombe vient de me sauver la vie. Et j'ai l'impression que c'est un loup mutant. C'est pas un loup normal. Ok, non. Ok, ils sont nombreux. Ok, on va pas s'amuser avec eux. Non. Vous faites des angles. Faudrait que je le fasse un de ces quatre. Non. Non, oublie complètement ce que je viens de dire. Alright. On a esquivé les loups. Et maintenant, normalement, en fait, on a débloqué des missions hier soir. Voilà, j'ai un truc pour toi, c'est les sauves. On va continuer les missions d'extermination. Comme ça, sera fait. Parce qu'on sera obligé, à un moment donné, d'y passer. On va juste regarder quelle est la plus proche. Celle-là est sur le chemin. Et je crois que le... L'autre, faut retourner au... Merde. Au cimetière, et le cimetière est assez loin. Oh. Ouais, le cimetière est complètement de l'autre côté. Donc on va faire... Aïe, ça c'était mon micro. On va faire celle-ci. Le camp ennemi, ce sera pas des zombies, mais voilà, au moins c'est sur la route. Non. Non. On va retourner au camp, et si possible, attends. On va retourner à ce camp-là, là. Si possible. Il y a moyen ou pas? On n'a pas assez de carburant ici. Ok, est-ce qu'on peut faire une halte ici? Voyage rapide. Parfait. Vas-y. Il faut qu'on fasse le plein de munitions. Et on a pas mal de morceaux de zombies à donner. Et j'ai pas envie de le donner... Est-ce que la horde vient nous griller direct? Je vois la horde s'agiter là-bas. On vient à peine d'arriver. Ok. Je sais pas après quoi ils s'activent, mais ils sont actifs. Hein. Est-ce qu'on va toujours pas avoir assez de carburant pour aller jusque-là? Ok. C'est peut-être pas le meilleur des endroits. Oui, Pixel m'a dit que tu étais en train de pleurer devant des dramas. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Moi je sais pas si c'est vrai, mais... je crois qu'il y a un truc d'essence là. En fait, ce jeu... Oh putain, il y a un snipe. Est-ce qu'il me met ça parce que... God damn it, not now. Mais d'où il sort ce putain de snipe? What the fuck? Mais où? Donc ce jeu, en fait, bloque les missions principales pour que tu fasses les missions annexes. Donc tant que tu n'as pas avancé... Putain, mais il est dans l'arbre ou quoi? What the fuck? Putain, il m'a pris par derrière, ce con! Ils sont deux! What? Mais d'où? Eh, si on n'attire pas les zombies avec tout ça, franchement, j'ai de la chance. Donc, pour avancer, pour débloquer les missions, les scénarios de l'histoire principale, on a défouraillé du zombie et des bandits hier soir. Ok, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il est. Ça va être un peu compliqué. Putain, j'ai l'impression de jouer à Warzone, là. Parole. Ouh, cache-toi derrière l'arbre. What the fuck? Putain! Mais le gars, comment il a fait? Eh mais il est dans un arbre! Et ma moto qui est HS, ça va être génial. Ça va être génial. Je sais pas si je vais m'en sortir.
Eh mais il se cache dans un arbre, c'est pas possible. Hop 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 hop. Ou alors il y a une cabane dans l'arbre, mais what the f... C'est possible ça? Je peux essayer de tenter de shooter ou alors je peux run là. Ah ouais, il y a, ah ouais, 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 il y a une plateforme dans l'arbre. Il est là, le gars. Ok. Vas-y, hey, montre un peu ta tête, là. On va se décaler un petit peu. J'espère qu'il nous... Oh, le bug. What the fuck? Ok, here we go. What? Oh, ce bug! That's bullshit! Il était... Hey, sa tête était dans ma ligne de mire, quoi. Non mais, sérieux. Et lui, il arrive à me toucher. Connard. No more ambushing drifters for you, huh? Oh. I'll just take these. Yep. Ok, on a récupéré deux munitions. Mais il m'a défoncé ma moto, quoi. En espérant qu'on tombe pas sur des loups ou des conneries dans le genre. Vu qu'on est là, on va dépouiller un peu les véhicules. Oh yeah, des mines. Ok, bon. On va retourner à la moto, mais à mon avis, elle est HS. Il a one shot la moto, quoi. Juste avec un tir de snipe. Heureusement qu'on n'a pas attiré la horde de zombies qui était de l'autre côté. Ça peut être utile. Voyons voir. Ok. Faire quelques bandages, des cocktails. Faut que je teste les cocktails d'endurance. Voir à quoi ça sert exactement. Est-ce que ça régène l'endurance ou est-ce que ça booste l'endurance, la régène de l'endurance? Je sais pas trop. Oh yeah. Ça peut être utile. Petit filtre. À essence. Et on a de l'essence juste là. Parfait. Normalement, on devrait avoir de quoi réparer la moto. Can of fuel. Oh la vache. Ma moto, quoi. Allez. Hop là. Ah non, mais 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 non. Descends. Réparer. Je sais pas combien de... Ah non, c'est bon. On a eu assez. Parfait. Faire le plein. Non, j'ai dit fais le plein. Il reste 3%. On va tomber en panne d'essence, mec. Yeah, good. Good, good, good. Juste booster ça un peu, hop. Alright. So. Pourquoi, je sais pas pourquoi on peut pas... Ou alors c'est là. Ouais, camp de Copland. Let's go. Voyage rapide, let's go. Je préfère augmenter la confiance du camp de Copland que chez les Tuckers. Les Tuckers, c'est vraiment des bâtards. Je peux pas les piffrer. Let's go, open up. Open the gate. It's that drifter. Yeah, I know him. Je peux pas les piffrer.
I didn't think I'd see you around so much. Ah, attends deux secondes. On va d'abord. Hey, how you doing? Alors, 70 oreilles de grouilleur, la vache. Vas-y, on te file tout. Hey, nice. That's it. Ah. Don't get in my way. Hey. Est-ce qu'on a récupéré de quoi faire de la cuisine ou pas? Ouais, on a du loup. Parfait. That's it for now. Ok, nice. Ça va pas nous augmenter la confiance de ouf, quoi, mais... We got some good shit if you're buying. On va s'acheter des mines. Is that all you need? That'll last you. Ouais, on va prendre ça aussi. On en a déjà un? Un bon terre plein, ok. Ça, niveau de confiance 2. Mais comment on fait? On n'est même pas niveau de confiance 2 avec tout ce qu'on leur a fait, tous les services qu'on leur a rendus, sérieux. C'est ouf quand même. How's it going, D? Manny, I'm still not happy with you. Ok, 1021. Okay. Faire le plein. 915, je suis pas sûr que l'on puisse... Non, niveau de confiance nécessaire 2. Ouais, c'est pas la peine. Thanks, man. Bye, man. All right. Il faudrait qu'on aille voir Boozer vite fait. Oups, moto est là. Boozer. Normalement, c'est. Je crois que c'est là. Ouais. Planck du Mont. O'Leary. Parce que Boozer nous a envoyé un message en disant qu'il avait un truc pour nous. Pour une fois qu'il nous aide. Oh, un chiffon. Il ramasse et une bouteille de bière. Ça va nous permettre de faire du molotov. Hey. Voir ce qu'il a pour nous. Hey, yeah. I'm tired. I wonder if it's gonna get hot out today. Be nice, keep the freaks out. Il a pas dit. Attends, je suis persuadé qu'il nous a dit qu'il avait un truc pour nous, quoi. C'est quoi le truc? Ok. Je trouvais ça bizarre aussi qu'il nous vienne en aide. Bon, bah laisse tomber. Il s'est sacrifié en moto. What? On lui a sauvé ses putains de niches! Si ça serait pas... Enfin, grâce à nous, il est toujours en vie, quoi. Non? Est-ce que j'ai loupé un épisode? Est-ce que j'oublie quelque chose? J'occulte quelque chose? Je modifie la vérité? C'est ça que t'es en train de me dire? Je crois qu'il y a encore des trucs à ramasser, là. Hop. More scrap. Peut-être. Peut-être. C'était mon plan. Il a quand même sauvé son cul, son petit cul. Mais gars, ça fait 12 heures. Et ça fait 12 heures que je joue à ce jeu. Il a pas bougé son cul de là-haut, quoi. On lui ramène à manger. Et puis, il est pas bien. Et puis, il faut lui passer le chiffon sur la tête parce qu'il a de la fièvre. Enfin, on fait le plein avant de monter sur le tableau. Putain. J'ai dit, fais le plein de ta moto. Donc, tu récupères le bidon, là. Hop, voilà. Et fais le plein, s'il te plaît. There we go. That should be it. Alright. Niveau mun, on est full partout. Ok. On a ce qu'il faut. Alright. So. Maintenant, les vraies choses commencent. Donc on a dit le camp. Je pense que même comme ça va être le plus proche. Et si on peut se rapprocher jusqu'ici en voyage rapide. Parfait. Et de là, on ira en moto. Il nous reste pas mal d'essence. Dans l'autre sens. Oh là là. Oh là là. Fais demi-tour. Hein. Il y a un point d'interrogation là, je sais pas ce que c'est.
J'ai un point d'interrogation sur la map et le point d'interrogation il a disparu. On est déjà venu ici je ne sais combien de fois, donc c'est un peu chelou qu'il y ait un point d'interrogation comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de descendre par là? Ouais, il y a moyen. Juste pour voir vite fait. Je vois que dalle. Ou alors c'est le... Il y a une plaque de commémoration là, j'ai l'impression. Ok, là c'est le camp de Copland. Vite fait regarder ce que c'est que ce truc là. Cabane de Taylor, la maison de l'épouvante. Ok, ça je prends. Vas-y, ça va nous permettre de faire des cocktails. On est déjà full, mais... Oh, et on va peut-être réparer aussi ça, là. Parce que maintenant, on peut réparer nos haches. On a une nouvelle compétence qui nous permet de réparer nos armes de mêlée. Let's go. On doit pouvoir remonter par là. Y a plus de zombies ici, hein. On va faire le plein. Oh putain, y'a encore des zombies ici. Oh shit, oh shit. Ah putain. Faudrait que j'aille un peu moins vite. Dépêche-toi. Monte. Monte, casse-toi. Ah, les tunnels noirs comme ça, j'ai horreur de ça. Ah putain, ça nous a moché en plus. Putain. Ok, faudrait qu'on arrive à s'approcher. Oh bah c'est le camp que... Ouh. Ok. Guess what, fellas? I'm back. J'avais pas réussi la dernière fois à les défoncer. Attends. Je peux pas sauvegarder. Oh, il va falloir qu'on s'éloigne un peu. Si on peut s'éloigner par là. Ouh les bâtards. Attends, on va se mettre en bas là. Oh putain, il y a des zombies. Fuck. Ah, j'imagine qu'on va devoir se les faire. Alright. On va essayer de se les faire en partie en silence. R. Mais bon, on est déjà à moitié grillé de toute façon. Il y en a un à droite là, je sais pas s'il m'a grillé ou... Il y a 14 gars à buter dans ce camp.
Ok, il s'est un peu trop éloigné lui. Merde. What the hell? Merde. Oh putain, c'est pas vrai. Okay, je t'ai visé, hein. Truc de ouf. Car il a pas eu le temps de tirer, du coup, au moins les autres ils sont pas alertés quoi. Enfin normalement. Une bombe tuyau, ça peut être cool. Ok, bah, faire gaffe, il y a l'air d'avoir des pièges à ours un peu partout. Je sais pas qu'on il tire contre les zombies là. Je sais pas si on est grillé ou s'il tire contre les zombies. J'ai pas l'impression qu'on soit grillé en fait. Oh shit. Il a pas eu le temps de tirer. Merde. Ah la cette visée de malade. Accroupis-toi, soigne-toi. Il y a les zombies qui sont en train d'arriver là. Ok, vu que de toute façon on est grillé, on va récupérer ça. On va réparer notre hache, pas assez de ferraille, ok. Si on arrivait à avoir le snipe. Je sais pas où il est. Ok, je pense pas que ce soit lui. Y a pas d'explosif en vue là. Vas-y, lève un peu la tête et arrête de bouger, s'il te plaît. Lève la tête, putain. Je me décale un peu, ok. Drifters, un en moins. C'est quoi ces zombies là? Ils se font attaquer par les zombies, j'ai l'impression. Ah ouais, il y a pas mal de zombies là-bas. Ok. Ils ont pas l'air de vouloir monter jusqu'ici, tant mieux. Ok, j'ai rien dit. Il arrive. Il y en a un qui arrive. Ok, son pote là, il est arrivé. On va s'en occuper aussi. Ok, il va falloir qu'on deal avec les zombies là. Oh putain. Ok, c'est good. Tu m'as arrivé à aller loot Il en reste un là-bas, là. Mais après, on aura plus de mine de fusil. You can't hide, you son of a bitch. Je sais pas contre quoi il tire, mais il tire.
last one. Oh fuck, il y a des pièges partout en fait. Fuck. Ok, il reste un gars là. Ils sont en train de se faire bouffer par les zombies. Oh, il a bougé. That's it. How do you like that, huh? Putain de merde. Oh putain. Armand, ça pue. Ça pue. See if they got an underground bunker. Oh la vache. Ok, est-ce que j'ai un truc genre explosif ou... Oh putain. Eh hey, mais ils courent vite en plus ces enculés. Ok, heureusement qu'on a lâché le reste de la horde parce que laisse tomber quoi. Yo Yann! C'était pas trop dur aujourd'hui? Quand le réveil a sonné à 4h du mat. J'ai pensé très fort à toi. Dans mes rêves. Je me suis dit, oh putain le pauvre. Et après je me suis... enfoncé encore plus profond dans mes rêves. Ok, on va récupérer les munitions sur eux là. Week-end depuis 13h. T'as réussi à faire une sieste? Tu quand tu rentres comme ça au milieu d'après-midi, tu fais une sieste ou t'arrives à tenir un... Ouh. J'étais passé à côté, j'avais même pas vu. Alright, est-ce que c'est une bonne idée que de retourner par là-bas? Je sais pas. Il y en a un qui s'est fait bouffer le cul là-bas. J'aurais dû retourner à ma moto et sauvegarder. C'est ça que j'aurais dû faire. '15 à 17, d'accord. Ouais, ça te permet de récupérer un petit peu quoi. Oh, grande reine de la moula. Oh, grande reine de la moula. Entends mes paroles. Je crois qu'on a récupéré quelques munes de fusil, ça va nous être utile. Ok. Il y a un piège là, hop. On va défaire. Alright. On a récupéré 0 mine de fusil. Ça pue. Je sais pas s'il reste du monde en fait. Mais normalement tout le monde est mort. En tout cas on n'a pas buté les 14 gars, donc ça veut dire qu'ils se sont fait déchiqueter par les zombies. Je pense. J'entends des zombies. Oh, ils sont fait déchiqueter. Ok, on a récupéré quelques... Non. Garde le fusil, je t'ai dit. Non, merde, putain. J'entends des zombies, mais je les vois pas en fait. J'ai pas trouvé la porte du bunker. J'ai pas trouvé l'entrée du bunker. Ok, il y a blindé de zombies en bas en fait.
La ferraille. Putain, me faites pas aller en bas, s'il vous plaît. Me faites pas aller en bas. Ok, il y a encore des bunes ici. Ça pue un peu. Ça pue un peu. Ou alors l'entrée du bunker n'est pas comme dans l'autre base. Putain, il y a pas mal de monde à loot là. Elle est pas au sol. De descendre par là, alors là, mais laisse tomber quoi. Il y a l'air d'avoir trop de zombies là-bas. Mais d'un autre côté, je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être, cette entrée. On peut rien faire. L'entrée du bunker. Il y a un bunker dans le camp et donc du coup il y a une entrée quelque part. C'est soit une trappe dans le sol, merci pour l'aide. Merci beaucoup. Yes. Ok. Là, mais en fait, j'ai fait un camp. On a fait un camp hier soir et on en a trouvé un. Je l'ai grillé assez vite. Là, pour le coup, je l'ai pas vu. Ou alors, attends. Elle est un peu extérieure au camp. Putain, mais il y a des pièges partout quoi. Putain, on a oublié de le loot lui. Après le pont, attends. Du coup, ça a pas l'air d'être ici de toute manière. Ça a l'air d'être safe. On va désactiver ça si possible. On peut désactiver ça? Non. Bon, c'est sûr, c'est pas par là. Il donne zéro indication en fait. Ah si, quand même. Si, quand même, ils donnent un peu d'indication. Ils disent d'aller par là. D'aller par là. Et d'aller par là. Forcément. Hein ? Bien sûr ! Vous savez quoi ? Je vais aller chercher ma moto. Je vais chercher ma moto, ramener ma moto et sauvegarde. Parce qu'il y a pas mal de zombies en bas. Et je n'ai pas envie de mourir. Niveau mine, on est pas mal. Hein. On a quand même bien géré. Comment ça se fait qu'il y ait du feu là ? Il y a la grotte du bonheur en bas. Qu'est-ce que t'appelles la grotte du bonheur? C'est-à-dire que, genre, il se passe des trucs à l'intérieur?
Ça te fait monter au 7ème ciel ? Ou rien de tout ça ? Ah d'accord, ok. On a pas la même définition du bonheur. Attends, oui, Merde. Sauvegarde. Voilà. Ok, on va sauvegarder. Good. On va poser la moto ici. J'allais appeler ça autrement, mais c'est pas Twitch friendly. Ok, on va essayer de s'en faire quelques-uns. En fufu. Là, ils sont 4 déjà. Ouais. Et ils me regardent tous. Comme ça, c'est top. Il y en a un qui m'a grillé. Ok. Putain. Il a réussi à me mettre un coup, ce bâtard. Putain, cette visée de merde! Oh putain, je t'avais pas vu! Oh, j'ai pété ma hache! Fuck! Ah, je suis vénère là! Ah, je suis vénère! Va falloir que je m'en trouve une nouvelle. Dommage qu'on puisse pas augmenter, améliorer nos armes. Franchement, c'est un peu dommage. On avait un... Oui, on va attacher le... Ok. Le silencieux, on l'a mis. Ouais, nickel. La roulade, c'est la vie, frère. Ah, je suis bien d'accord. Oh, grande reine de la moula. Ouais, ça colle bien. Oh là là, tous les pièges à loups, quoi. Oh. Oh putain. Ok, lui, je sais pas, il est en train de pisser, chier ou en train de manger, je sais pas. On le saura jamais. Je pense que c'est de l'autre côté. Parce que là, on est en train de sortir, en fait. Fais gaffe au piège à loup. Fais gaffe au piège à loup. La grotte, elle est là. Je l'avais pas vue. Faut dire, elle était dans un coin bien noir. Mais... Il y a absolument rien. Il y a fucking nothing here. Rien. Nada. Que dalle. Que chi. Et ça change de touche à chaque fois, histoire de dire, non, tu vas rester bloqué. Merde. Donc du coup, c'est pas... Elle est, l'entrée du bunker n'est pas là. Ça fait beaucoup plus noble, effectivement. Ça fait famille de la bourgeoisie. Et... Dame aux plaises de la moula.
Ooh. Come on. Où est-ce qu'il est, ce putain de bunker? Attends, on a tout clean. Oh, il est là. Putain. Here it is. Ok. Nice. This is Radio. Many of you probably don't remember the Cold War, but living through it was a special kind of hell. Every time you heard a plane flying, tu avais raison, Yann. I think for sure that this is it. Ouh, ils ont fait. Coming to drop the big one on us. Ils ont fait la teuf là. We live through the Red Skin. No, I don't think so, Cope. Not today. Ils ont fait la teuf. C'est un peu le bordel. Oh, ça suinte, c'est horrible. Comment tu fais pour aérer dans ce genre d'endroit, quoi? C'est juste dégueulasse. Oh, a map. Looks like they marked it up pretty good. Hot Springs plus 750 de confiance. Ok, nice. Grenade fumigène. Oh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On a trouvé un checkpoint du Nero. Du coup, niveau mun, ça dit quoi? Ça dit qu'on n'est pas trop mal, en fait. Normalement, on devrait pouvoir dormir ici. Pourquoi t'as rage quit? Pourquoi t'as rage quit sur le jeu? Trouvé trop dur? Pas assez de mun. Let's go. Ok, il nous reste une mission d'extermination normalement, s'ils nous en ont pas rajouté. Ouais, c'est infestation au cimetière, et donc le cimetière, lui, par contre, il a Bubblehead. Mais genre Bubblehead, ouais. Et on va faire un petit arrêt pipi ici. Histoire de voilà, dégourdir les jambes. C'est important de s'arrêter quand on prend la route. Toutes les 2 heures environ, hein. Histoire de d'éviter tout problème. Et si on pouvait. Ah ouais, putain, mais c'est là où il y a une putain de horde. Oh fuck! Renegade Patrol. Oh fuck! God damn it. On l'a eu. Oh! C'était joli, ça. Ça, c'était joli. Ah, ça l'est un peu moins. Ça l'est beaucoup moins. Ça pue du cul. Ça pue du cul et j'ai absolument rien pour me débarrasser de ces saloperies. Ok, on va juste s'éloigner comme si de rien n'était. En fait, je crois qu'ils nous ont pas vus. Ouais, ils nous ont pas vus. Ils suivaient l'autre, quoi. J'ai subi une embuscade et donc réveil sans stuff et bug. J'avais plus rien, ni arme, ni craft. Ah ouais, non. Ah non, ouais, non. Ouais, je comprends. Comment on l'a défoncé? Le gars, il a rien vu venir, quoi. Ok. Par contre, là, la horde... Il va falloir qu'on la contourne parce que... On peut rien faire sur sa moto, genre dépouiller sa moto, là? Ah si, on peut saboter sa moto. Ouais, mais ça va pas. Ok, si, on récupère 3 ferrailles. Ok. What the fuck? Oh putain, il m'a fait flipper, lui. What the fuck? Hey! Oh shit. J'ai plus silencieux, là. Faut que je fasse gaffe. Mon silencieux est parti en couille. Faut voir si on peut en récupérer un là, vite fait. Oh, on récupère.
récupère de la ferraille. Il a pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'il nous indique là? Ok, c'est juste que c'est le camp de Nero. Donc faut qu'on traverse, faut qu'on aille tout droit en fait. Peut-être essayer de contourner par la gauche. J'ai pas la puissance de feu nécessaire pour m'attaquer à eux là. Donc le mieux je pense c'est d'essayer de contourner par la gauche. Ouh, ça passe. Ah vache. Oh, what the hell. That's worth checking out. Ouh. Ok, ils nous ont pas suivis. Nice. Mais on a vu un truc. On a vu un truc. Putain, c'est chiant, ils affichent pas les trucs sur la map, quoi. C'est point d'interrogation, là. Putain, il y a des points d'interrogation. Ah, fuck, il y a des loups. Je sais pas s'il parlait de ça là. Oh putain, c'est la merde ici. Oh putain, c'est un putain de cimetière. Désolé les gars, je vous roule dessus comme une merde là, mais pas trop le choix en fait. Oh. Oh fuck me. Agent Sinclair reporting. I make corpse disposal site. Oh fuck, je sais pas combien de loups là. Oh putain, je vais mourir. Mais où c'est ça? Eh mais c'est... Eh, franchement, les loups... C'est limite plus chaud que les zombies, quoi. Et que les bandits. Ah, du coup, j'ai pas du tout entendu ce qu'il disait à la radio. J'ai absolument pas entendu ce qu'il disait. Comment bousiller toutes tes munitions? Bah ouais, tu balances 2-3 loups. Et puis c'est bon. Même plus de soins ni rien, quoi. Je peux même plus en... Attends. Si, je peux en fabriquer. Ok. Heureusement, parce que là, putain. On aurait été obligé de faire demi-tour, là, je pense. On va en profiter pour faire le plein. Putain, mais le traquenard de merde. Et encore, ça, ce sont des loups normaux. J'imagine même pas les loups, les loups zombies, quoi. Je crois que je vais pleurer quand je vais tomber sur un loup zombie. Ok, est-ce qu'on peut... On a de quoi? On est full molotov. Si on s'en fout, c'est quoi ça? Oh, on a des attracteurs. C'est des... J'avais pas vu qu'on avait ça. On a des attracteurs explosifs. Enfin, on a un attracteur explosif. On a des attracteurs. Donc à mon avis, ça doit faire du bruit et ça doit aller regrouper les zombies.
et on a une grenade fumigène. Et ça peut se craft, en fait. Les grenades fumigènes peuvent se craft. C'est bon à savoir, ça. Ouh, mais il y a plein de trucs ici. Est-ce que... Maintenant, je sais pas si c'était ça qui voulait qu'on inspecte. Ça s'est passé tellement vite. Mais je crois qu'on était déjà venu ici. On était déjà venu dans ce coin-là. Et il y avait déjà eu les loups. J'avais pris la fuite. Ok. On va retourner à notre moto. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Le seul truc, c'est qu'il nous faudrait des munes. Mais on en trouvera peut-être là-bas. Oh, oh putain, ça insère. How many drifters you guys? Someone needs help. Oh putain. Oh, fuck. Espèce de petit bâtard. Alright, tu veux jouer? On va jouer. Yes. Putain. Ça va, mec? Tranquille? T'inquiète, t'inquiète, je suis là pour t'aider. Copeland, les autres c'est des connards. Peaceful Lake, Mark Copeland, it's safe there. I was done for. Bullshit. You know? Thank you so much. Thank you so much. Oh man. Tell him it was Deacon. They'll know. I just keep running. Stay off the road. Ah, ça fait du bien d'avoir sauvé une vie dans ce monde de merde. Il m'intrigue, ce barrage. On est full là-dessus? Ah, on est full. On a quoi là-dessus? Il y a des bombes dans la rivière. What? Hmm. Oh. Ok. Je pense que ça mérite d'être exploré, ça. Le loot ou la vie, il faut choisir. Je pense que dans ce cas de figure, le loot, c'est la vie. Je pense que là, franchement, si tu lootes pas dans ce jeu, si tu prends pas le temps d'explorer et de looter, t'es mort. C'est le genre de jeu où... ouais. C'est un peu comme Red Dead Redemption, quoi. Si tu fais tout sans explorer, sans chasser, sans rien, ouais, tu vas au-devant de gros problèmes, je pense. Serait cool qu'on arrive à avoir un cerf ou deux. Histoire de ramener de la viande pour dans le village de Copeland. En fait, l'ambiance de ce jeu est folle. Elle est folle. Je kiffe. Je kiffe à mort, quoi. Ça, c'est parfait. Les munes. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se passer un truc de merde ici. C'est ouvert ici?
C'est un peu trop calme. Ouais. Il a fait quoi au mur là? I don't understand. Genre il a fait un check au mur. Oh, une batte de baseball. Je prends. Si on pouvait l'améliorer comme celle de Nigel. Avec du barbelé, des clous. C'est ça qui manque. Pouvoir custom un peu tes armes, quoi. Et on a que dalle ici. Mais c'est ça, il a... Eh, j'ai pas rêvé, il a caressé le mur des chiottes. Genre, d'une manière nostalgique, quoi. Comme s'il était déjà venu dans ses toilettes. En fait, ils ont parlé de bombes. Il doit y avoir un truc caché ici. Connerie dans le genre. Ouais. Il y a moyen d'entrer là? Ah, dommage. On peut pas rentrer par là. Oh, c'est plutôt bien foutu quand même. Hein. Est-ce qu'on peut nager? J'ai même pas essayé. Est-ce qu'on peut nager? Ah ouais, on peut nager! Il y a de l'endurance par contre, quoi, mais on peut nager. Ok. Ma moto est super loin, je m'en bats les couilles. Je suis un aventurier, moi. Si on arrivait à en avoir un au moins là. Venez là ! Putain. Il n'y a pas de zombies dans le coin en plus. Il y a un zombie coincé dans la bagnole. Oh putain, il m'a fait flipper. Ok, arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger. Mais va pas vers le zombie, toi, wesh! Ok, il s'occupe d'eux. On va vite faire regarder par là. Alors, si on peut loot la voiture de flic, on va retourner vers le... Dick Jones on way. Oh way. What? Oh. Way. What? What? Appelle-moi D. Non mais sérieusement, les... C'est des ricains, quoi. Ils ont pas ça bizarre d'appeler le gars Dick. Franchement. Ok, that's... C'est trop haut. On va pas redescendre par là. Y a un zombie dans le coin. On va se le faire. Allez, viens là, 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 viens là. Oh, ta gueule. Pas crier. Pas possible ça. Pareil, il y a tout un truc de ramassage de plantes, etc. Mais t'en as très très peu, quoi.
trouve très peu de fleurs. Et celui-là, on l'a pas fait. Oh, un chiffon. Ramasse le chiffon. On est fou. Ce serait bien d'augmenter aussi notre capacité à transporter les cocktails, les trucs de soins. Désertique. Eh, franchement, la forêt, elle est vachement badass. Elle est vachement bien faite, je trouve. Grosse forêt de pins comme ça, là. Ça fait penser à Ozark. Je sais pas si vous avez vu la série Ozark sur Netflix. Très, 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 très bonne série. Et ça se passe dans les Ozarks, en fait. Et c'est franchement, c'est une région, elle est... aux États-Unis, elle est folle. Elle est folle, cette région. Ah oui, c'est sûr que c'est un peu post-apo, quoi. Ah ah ! Voilà, une grenade à frag, une grenade flash. Donc c'était ça que ça voulait dire. Eh ben voilà, il y a blindé d'explosifs. Alright, that's nice. On a bien fait de... d'aller jusqu'au bout des choses. Il y a l'air d'avoir... Quoi ce bruit? Ok, il y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. Là. À mon avis, il faut nager jusque là-bas. Faut nager jusque là-bas pour... Je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit là-bas. Oh, oh, une masse. Regardez là. Elle fait grave plus de dégâts que la batte. Beaucoup plus lente. Ouh, on allait partir sans ça. Attends. Il y a une putain de mine là. Heureusement qu'elle était pas active. Ouais, c'est ça, ouais. Faut s'y prendre un peu à l'avance avant de foutre... avant d'envoyer ton coup, quoi. Ouais, y a moyen... C'est de ce côté-là qu'il faut passer. Allez, la moto... On va aller sauvegarder avant. J'ai pas confiance en mes compétences de nageur. Parce que, tu vois, je sais nager, mais... je suis pas un bon nageur, t'as vu. Donc, vaut mieux sauvegarder. On peut peut-être même y aller en moto, comme ça. Mais il y a des échelles partout ici. On peut grimper à celle-là là ? Ah non, j'ai pas l'impression qu'on puisse grimper à celle-là. Même cette fleur là. Ah si, on peut la ramasser cette fleur. Ah, voilà, putain. Une flèche d'eau, ça s'appelle. Et celle-là, genre, on peut la ramasser? Ah bah oui, putain, on peut la ramasser. Mais quand je fais ça, ça... Ouais, ça me dit pas forcément qu'on peut ramasser les... Allez, vas-y, nage, petit poisson. J'ai bien fait de sauvegarder.
J'ai bien fait de sauvegarder. Il ne sait pas nager. Il ne sait pas nager. Et j'étais. Oh, attends deux secondes. On n'est pas venu ici. Il y a absolument rien. C'est ça. Il a coulé comme une merde. En fait, ça veut rien dire de couler comme une merde parce que généralement les merdes ça flotte. Enfin, ça dépend si tu manges des fibres ou pas. Là, Oplès, elle est en train de se dire mais non, il est pas en train de dire ça, il est pas en train de parler de ça, Termi là. Ouh la salope. La masse, rien ne vaut la hache. Rien ne vaut la hache. Je m'en doutais. La 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 la. Ah fuck, on peut pas monter par là. Alright. Deuxième essai. On va ramasser. C'est une autre plante qu'on peut ramasser, ça? Non, on peut pas ramasser cette plante. Ou celle-là, on peut la ramasser? Non. Non, on peut pas. Nous ne pouvons pas. Petite sauvegarde. Alright. On va récupérer notre endurance. Parce que il y a un petit rebord là en fait. On le voit pas bien mais il y a un petit rebord là-bas. Donc je sais pas si on peut speed à la nage. On peut pas speed à la nage en fait. Ça passe pas. Ça passe pas. En moto, peut-être ? Je suis prêt à tout essayer. Non, ça passe pas non plus. Ça passe pas non plus. Je suis à court d'idées, là. On ne pourra pas passer. Je lâche l'affaire. Je m'avoue vaincu. C'est ça. On est un peu plus classe quand même. Le petit ponton là pour faire de la. Je suis sûr qu'on. T'as ce on peut pêcher dans ce jeu. T'as ce on peut pêcher. Oh putain, mais regarde-moi ça, c'est excité là. Ok. Bah, franchement, je vois pas. La distance, elle est vraiment. Y a pas de jump. Y a peut-être une compétence qui permet d'améliorer la natation, quoi. Je verrais plus ça comme ça en fait. Compétence qui améliore la natation et qui te permet de justement d'aller jusqu'au bout quoi. Il y a un mode photo ouais. Putain, le mode photo que j'ai pas utilisé alors qu'on pourrait. Il y aurait tellement moyen de faire des photos, des screens de ouf. Vraiment. Ce jeu est tellement. Enfin. Il est vraiment badass, quoi. Avec le reshade. Hein. Avec le reshade. Hein. Parce que sans le reshade, il est plat. Les couleurs, ça manque de contraste. Mais là, pour le coup, avec le reshade, c'est. C'est juste une tuerie, quoi. Non, tu peux. On peut pas aller. J'ai pas accès à la console.
Putain, mais elle est venue jusqu'ici, elle. Elle nous a pas vu, elle nous a pas vu, elle nous a pas vu. Elle nous a pas vu. Ah, ça y est, elle nous a vu. Faudrait qu'il m'explique où est-ce que les zombies ont appris à esquiver les balles de pistolet, quoi. Parce que, je sais pas, il y a une école pour ça, il y a une certification, ou je sais pas, un cursus spécial. Yeah, that's right, I gotta burn out the rest of these nests. Alors, si on pouvait spot les nids direct, ce serait pas mal. Trouver un coin posé là. Ok, on a, il nous reste un nid? Non. Non, il n'y a pas qu'un seul nid. L'entrée principale du cimetière, de toute façon, elle est là. Shit. Vas-y, on peut pas sauvegarder un petit coup là ? Ça a sauvegardé ou pas ? Attention si ça avait sauvegardé ou pas. Ok, on va continuer à yep. Alright. Il doit y avoir pas mal de choses à loot ici. La dernière fois que je suis passé, j'ai pas fait grand chose. Il y en a un, mais il est complètement à l'opposé. Il est par là. Ah ouais, mais en fait, il est pas du tout dans le cimetière, quoi. Je pensais que il allait avoir un nid dans le cimetière, mais non. Mais il me semblait en avoir vu un, et justement, je l'ai pas, je m'en suis pas occupé. Liste des prairies. Oxyrie à 2 stigmates. J'imagine que c'est mieux que l'oxyrie à 1 stigmate. Ok, il nous a pas vu pour l'instant. J'imagine que ça va pas être par là. En plus, il y a pas trop de zombies ici, donc Chi, même pas une petite plante à ramasser, rien. C'est un peu chelou qu'ils aient rien mis de spécial dans le cimetière quand même. Oh là 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 là. Cet éclairage là. Idn imbriqué. Idn. Ok, je sais qu'il y avait un truc par là. Une espèce de baraque. Et il me semble qu'il y a un nid à l'intérieur. D'ailleurs, il y a des zombies autour.
pense que il y en a un ici. Yes. On va direct lancer un cocktail. Hop. Mais sélectionne le cocktail, wesh! Mais! Oh, il y a une petite plante là. Il me cherche. Est-ce que ça serait pas le moment où... Ouais, c'était exactement ce moment-là qu'il fallait. Bien le bonsoir, idyllique. Pardon, Eddie frère. Comment tu vas, mec? T'es en forme? Pas un petit moment que je t'avais pas vu. Du coup, ce qu'on récupère là... Oh, oh yeah, oh yeah. Ça fait un peu moins mal que la massue, mais... Je pense que c'est beaucoup plus rapide. Ça, j'en ai beaucoup trop. Donc il nous reste un nid. Un nid à trouver et à cramer. Ouais, ça va, je te remercie. Content d'être en week-end. Oh, fin de semaine. C'est cool. Push this truck out of the way and can get in through here. Si je vire cette bagnole du passage et je peux passer par là, de quelle bagnole il parle? De quelle? What are you talking about? Ok, il y a plein de trucs à ramasser ici, mais je... Normalement, on a de quoi craft un cocktail. Ça, on peut pas le craft, on est d'accord. Mais du coup, hop, on ramasse ça. J'ai vu ta tête sur un petit live LDLC, c'était cool, je suis passé rapido. T'as vu ma tête sur un live LDLC? What? C'était l'émission... ils ont fait une rediff de l'émission... Enfin, le Geek Talk? Il parle peut-être de ce véhicule-là, là. Je vois pas de quel véhicule il parle, en fait. La prochaine édition du Geek Talk, c'est le 18 d'ailleurs. Le 18, donc vendredi 18 à 21h. C'est la semaine de l'E3. En plus, il devrait y avoir pas mal de news. Il devrait y avoir pas mal de news. Ok, lui, il est carrément de l'autre côté, quoi, en fait. Vas-y, on va prendre la moto pour y aller. Ah oui, ça fait un petit moment. Ah, d'accord, oui, parce que c'est une fois par mois. Une fois par mois. On fait ça une fois par mois, ouais. J'ai l'impression que c'est de l'autre côté, en fait. Il y a moyen d'y accéder, là? Ouch! IP, oui et non. Hypé par la conf Microsoft, parce que je pense que ça va être certainement la conf où il y aura le plus d'annonces. Et puis Bethesda participe à la conf Xbox. Donc on aura peut-être des news sur Starfield. Peut-être. Mais d'après les rumeurs, Starfield, ça serait pas pour cette année. Tristesse. Mais maintenant, le truc, c'est que les éditeurs et les développeurs n'attendent plus l'E3 pour annoncer leur jeu, quoi. Donc oui, je suis hype, parce que ça fait 10-15 ans que je fais des nuits blanches pour regarder les différentes conférences de l'E3, même si je travaille le lendemain, je m'en bats les couilles. Je reste toute la nuit à regarder, à voir ce qui va être annoncé, quoi.
Donc hype dans ce sens-là où c'est voilà quoi, c'est la messe annuelle du geek du jeu vidéo. Il y aura forcément des petits trucs sympas quoi. Tu vois, Ubisoft a déjà commencé, le 3 n'est même pas commencé, qu'ils ont lâché les infos sur Far Cry. Ils ont lâché des infos sur un Far Cry VR. J'étais choqué quoi. Parce que du coup ils ont annoncé ça et la vidéo est tombée il y a 2 jours. Un truc dans le genre. Je sais pas du tout. J'ai proposé à Pinto et Fourmi Six de faire un petit focus E3 pendant le Geek Talk. Mais tiens, tu me donnes une idée, Didik. Ça pourrait être en fonction des horaires. J'ai pas les horaires en tête, mais peut-être pour la conférence Xbox, parce que c'est la conférence qui va m'intéresser le plus. Sony, j'ai pas vu de conf Sony. Il y a Devolver aussi. Le Nintendo Direct, mais Nintendo Direct à chaque fois c'est de la merde. Et Ubisoft, je sais plus s'ils ont annoncé ou pas. Bah j'ai trouvé ça un peu bizarre. Far Cry 6, ils ont lâché les infos, et le Far Cry VR quoi. J'ai trouvé ça chelou. Vraiment trouvé ça chelou. Grave. Franchement, j'y avais pas pensé. J'y avais pas du tout pensé. Je regarderai les horaires. Hein. Ça peut être cool. Effectivement. Toi, t'es pas hype? Y a un truc que t'attends en particulier ou pas? Okay. Est-ce qu'il me reste un silencieux? Non, j'ai pas de silencieux. Même pour... Ah. On a pas de silencieux, là. On a pas de silencieux. Ok. Elle, on devrait pouvoir se la faire. Fuck. Là, la saucisse est là. Attention, messieurs, dames. Bien le bonsoir, comment tu vas, Rick? Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, j'essaie de rattraper mon retard vu que j'ai eu des problèmes techniques la semaine dernière. J'essaie de rattraper un peu mon retard, en fait. D'avancer un peu... Donc je fais un peu de Days Gone. L'idée c'est que je fasse un peu de Days Gone et que j'enchaîne après sur Metro. Je suis... Putain! Ok. Ok. Ah, fuck. Oh, shit. Oh, la vache. Ils sont nombreux. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, je gère complètement. Laissez la police faire son travail, nous gérons complètement la situation. Je fais bien, je t'en remercie, Eric. Un peu sué, là. J'ai un peu sué. Mais ça va. Merci. Je suis super hype. J'adore l'ambiance de l'E3. Rien que d'enchaîner les trailers et les découvertes me hype. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, Eddie. Je suis exactement pareil. Bon, ça c'était juste les zombies alors qu'on a même, pas cramé le nid encore. C'est comme les orques dans WoW, t'es dur à tort.
du retard. Du retard. Oh, ça y est, tu me retournes le crâne, Eric. Entre Dame aux Places de la Moula et Eric, le roi de la saucisse, Pixel, c'est quoi? Dame aux Places de la Moula. Mais hey, franchement, ça sonne tellement bien. Ça sonne tellement bien. Ah, c'est beau. C'est beau. Alright. So, we have that nest here. Et il y a encore pas mal de zombies autour, en fait. Je sais pas par où le prendre. On va le prendre par là, hein, je crois. C'est pas mal. Hein. Tu veux bien prendre le fucking Molotov, là? Mais... Oh. Wesh! Pourquoi il veut pas équiper le Molotov? Alright. Maintenant, tu te casses! Ok. On va jouer différemment, maintenant. Hop. Ouh, yes, c'est cool, on a fini. Ils ont super mal géré. Ils t'annoncent la progression de tes missions alors que t'es en train de te faire courser par une dizaine de zombies. Tu vois le truc? Bravo, vous êtes à 38% de la mission exterminateur. Et toi, t'es en chien. Oh la vache. Putain, y en a qui ont fait demi-tour. Parfait. Okay. Nice, on a réussi à en semer quelques-uns, c'est pas mal. Pas mal. Ouais, non, t'as raison, fais demi-tour. Non, tu veux pas? Bon. Merde! Oh, ça pue. Oh, ça pue. Shit, almost out. Hey, merde. Oh, putain. C'est limite. Oh. Je vais terminer ma hache, espèce de... D'Ahmalva. Vas-y, je l'aime bien cette hache en plus, quoi. Tu veux pas activer la dave à la visée? Non. C'est pas gentil. Et on n'est pas sur Warzone. Je devrais peut-être activer l'aide à la visée. C'est pas possible! Non mais... Il y a franchement des fois... Ok. Il y a des fois je vise balle. Mais il y a des fois, franchement... C'est discutable. Ah la hache, c'est beaucoup plus simple, frère. Beaucoup plus simple. T'as juste à cliquer, quoi. Et il vise pour toi. Et il vise pour toi. Putain, il y a encore des zombies ici, quoi. Ouf. Je regarde vite fait s'il n'y a pas quelque chose à ramasser, là. Mais a priori, non. Allez, on se casse! Alright. On va essayer de trouver un coin un peu calme. Putain, ce serait cool qu'il arrête de flotter aussi. Un petit jump? Absolument pas, on a plus d'essence. C'est la panne sèche. Je vous fais le coup de la panne.
Il manquerait plus que mettre du Barry White. Et on pourrait discuter. Ok. Fuck. J'ai pas fait attention à l'essence. Ok, il va falloir qu'on... Qu'on trouve de l'essence. Il y a peut-être... On est juste à côté de la station de... C'est pas mal, ouais. Tu crois que ça va les attendrir? Tu crois qu'ils vont comprendre la subtilité? Et genre, ils vont arriver et... vouloir faire des petites caresses? J'ai un doute. J'ai franchement un doute. On devrait pouvoir trouver de l'essence ici. Ah, tu t'es retenu toute la semaine là, Eric. Ah, tu t'es retenu toute la semaine. Hein. Mais ils peuvent pas comprendre ça, au plaît. Oh shit. Sérieusement? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où il sort? Mais je vais te... Ouh, ils sont deux! Mais ils sont deux! Mais what the fuck? They got him. Je peux faire ça toute la nuit, si tu veux. Toute la nuit, je peux faire ça. Sac à PV de merde. Ça, c'est le mode de difficulté. Difficile de... Voilà. Il se prend des coups de balle de fusil d'AK-47. Il s'en est pris combien? 5? 6? Aucun problème. Tiens, ça me fait penser, on va craft des molotov. Histoire de pouvoir récupérer ça. Et mais Dick est débrouillard. Hein. Tu tombes en panne d'essence en plein milieu de zombies? Yeah. T'inquiète. Un jerrycan d'essence en 2-2, moi monsieur, et je te fais le plein par dessus, par en dessous, comme tout vaut. Allez, c'est parti. Franchement, on a eu de la chance de tomber en panne d'essence juste à côté de la station d'épuration, quoi. Ok. Trêve de plaisanterie. On a du coup deux missions. Fin du monde. Fouiller l'unité médicale mobile du Niro. Chose que l'on avait déjà faite. Donc j'ai du mal à comprendre. Je crois que c'est sur notre chemin. Ça, hein. L'unité médicale du Niro est là. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu sur notre chemin, mais on va s'arrêter au camp de Copland, histoire de vendre nos oreilles de mutants. Et on a un peu de viande aussi. Ah, ils m'ont kiffé. Let's go, ils m'ont open up. Kiffé. Hey, it's all good. Let him in.